Bonjour, monsieur. Que vous avez de beaux yeux. Bonjour, Altesse. La couleur de mes yeux ne vous gêne pas? Vous parlez des yeux bleus. Ces enfantillages ne sont plus de mon âge. Et vous, cela ne vous gêne pas que je ne sois pas vieille? Non, non. Tous les hommes de ma famille sont morts. Ils ont été empoisonnés ou tués au combat, soit avec des ennemis, soit entre eux. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais il ne faut pas l'être. On n'en finirait pas. C'est à notre tour de vivre et d'être utile. Comme je suis une fille, personne ne pense à m'assassiner. C'est bien commode. Ma mère m'enseigne ce qu'elle sait et me fait enseigner ce qu'elle ne sait pas. Mais vos ennemis finiront peut-être par comprendre. Il sera trop tard. Je serai la plus forte. C'est moi qui les ferai assassiner. Bon, il s'agit de délivrer la fée des djinns, dont nous avons bien besoin. C'est une fiole de brouillard d'invisibilité. Merci, Altesse. Puis-je vous aider? Non, non. Je suis assez fort. Merci. C'est la langue des fauves. Un bonbon qui permet de parler aux fauves. Al-Amiratu la taf'alu hada. Naam, Hadratu al-Hajib. Merci, Altesse. C'est une plume iridée de Saïmarg qui devrait empêcher l'oiseau Saïmarg de vous dévorer. Vous vous demandez où nous sommes? Oui, princesse. C'est l'observatoire astronomique du sage Yadoua. Mais nous sommes dans un souterrain. On ne voit pas les astres. Poussez la manette à votre gauche. Les babioles que je vous donne peuvent être utiles. Mais prenez garde, le brouillard se dissipe. Le bonbon fond, la plume s'envole. C'est votre vaillance qui compte et qui doit être constante. Vous ou Asmar réussirez. Vous avez rencontré Asmar? Bien sûr, je lui ai donné les mêmes brimborions qu'à vous. Je n'en ai plus. Mais je sens que l'un de vous deux va délivrer la fée des djinns. Lequel, je ne sais. Celui qui perdra viendra m'aider. Je vous aiderai, même si je gagne. Asmar m'a dit la même chose. Al-Amiratu la taf'alu hada. Naam, Hadrat al-Hajib. Bientôt la sécheresse finira. Les jeunes hommes ne s'entretueront plus. Les princesses ne seront plus enfermées dans leur palais. Fermez le toit, je vous prie. Le sage Yadoua a dit de ne pas laisser ses appareils au soleil. Al-Amiratu la taf'alu hada. Naam, Hadrat al-Hajib. Princesse, on dit que quoi qu'on fasse, on choisit la porte des ténèbres. C'est en effet ce qu'on dit, mais je ne sais pas ce que cela veut dire. Arrivez devant les portes pareilles, utilisez votre cerveau et votre cœur. Al-Amiratu la taf'alu hada. Naam, Hadratu al-Hajib.